Merci pour cette opportunité que vous m'offrez pour parler de cette belle initiative citoyenne. De base, vous le savez très bien comme moi, ces derniers temps, les jeunes se sont très bien organisés à célébrer dans l'unisson l'indépendance de notre pays. Nous avons constaté qu'il manquait surtout un espace commun pour permettre à la nouvelle génération de se retrouver pour fêter surtout l'indépendance de notre pays. C'est dans ce cadre-là que nous avons pensé utile à mettre en place ce projet, la Foire de l'indépendance, pour offrir un espace commun d'exposition-vente, de récréation, de jeux, de divertissement pour célébrer ensemble l'indépendance de notre pays. Parlant de nos statistiques, je vais d'abord me rabattre sur les chiffres de la première édition parce que nous sommes à la deuxième édition de cette initiative. Et surtout lors de la première initiative, nous avons pu mobiliser tout au long de cette activité plus de 100 000 visiteurs. Et cette année, nous voulons aller au-delà. Pour revenir sur votre question qui touche un peu sur notre chiffre magique pratiquement hier, nous avons pu mobiliser plus de 50 000 visiteurs seulement hier. Ah, c'est un record pour nous parce que les gens sont venus de partout pour pouvoir se retrouver dans cet espace commun que nous voulons bien pour cette génération, pour découvrir ensemble les hauts faits de notre histoire en vérité. En termes d'activité, permettez-moi d'abord de revenir un peu sur le 2 octobre, hier, le jour, passez-moi l'expression, fétiche, le jour pique, qui fait de nous des Guinéens indépendants, les Guinéens fiers, de leur nom du 28 septembre surtout. Hier, nous avons eu à l'affiche plusieurs, stars de cette nouvelle génération. À l'affiche, nous avons eu, King Alasco. Nous avons eu à plusieurs autres stars, de cette nouvelle génération. Et très malheureusement, à cause de la pluie, nous n'avons pas pu, accueillir sur notre podium principal l'artiste tant attendu, Ansekrézy, avec son fétiche à Bombo 3 fois. Et pour rééditer cet exploit et permettre surtout à la jeunesse d'aller vers une fête d'indépendance en belle posture, nous avons jugé utile de voir comment aller avec une programmation riche et variée, permettant surtout de réunir tous les, le public mélomane, les visiteurs à travers notre programmation. Et c'est pour cette raison qu'on a pensé même de voir comment prolonger notre veillée de l'indépendance. La veillée de l'indépendance, pour votre information, c'est une activité populaire où nous donnons la parole aux conteurs, aux paroliers, pour pouvoir relater les hauts faits de l'histoire de notre indépendance. Comme vous le saviez, comme moi, cette nouvelle génération que nous sommes, il y a plusieurs jeunes parmi nous qui ne maîtrisent pas parfaitement, qui ne sont pas au cœur des hauts faits de l'histoire de notre indépendance. Donc, nous voulons très bien, à travers cette initiative, qu'on puisse ensemble découvrir l'histoire de notre indépendance. Parce que cette histoire, elle est belle, elle est magnifique, elle est jalonnée surtout, des questions d'unité nationale, de paix et de vivre ensemble. Et pour parlant des artistes à l'affiche, c'est une belle surprise que nous réservons. Donc, je ne vais pas maintenant dévoiler, cette belle surprise. À la base, ceux qui travaillent, ceux qui continuent à travailler sur nous, avec nous sur cette programmation de veillée de l'indépendance, c'est une équipe qui nous a été présentée par l'ensemble instrumental de Guinée. Et voilà, cette équipe travaille déjà avec nous
Nous suivons tous les jours leurs répétitions et nous sommes rassurés, honnêtement parlant, ce que nous vivons avec eux. S'ils se retrouvent dans leur peau pour faire passer, disons, ce spectacle en face du grand public, nous sommes rassurés que la nouvelle génération trouvera des outils nécessaires pour se rapprocher un peu de notre histoire. Et à part, disons, cette veillée de l'indépendance, nous prévoyons un concert géant le samedi à venir. Et ce concert, rassurez-vous, vous allez retrouver sur scène plusieurs artistes de la nouvelle génération. Déjà, la programmation avance très bien. À partir de cette nuit, les affiches seront publiées pratiquement sur les réseaux sociaux. Oui, vous avez raison, la foire de l'indépendance est un bébé que nous entretenons en vérité. Et ce bébé que nous avions en vérité, notre objectif autour de cette activité, c'est de réunir pratiquement toutes les communautés de notre pays. C'est pour cette raison, cette deuxième édition, nous sommes partis sur un thème principal qui s'articule essentiellement sur « Unis dans la diversité, ensemble célébrons notre indépendance ». C'est le thème principal de cette deuxième édition. Pour bien avant de lâcher, disons, votre écran, permettez-moi nécessairement de remercier le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et je remercie aussi tous les partenaires qui sont avec nous, notamment, disons, Orange Guinée, notamment la Sobragui qui nous accompagne sur le projet et d'autres partenaires. Je vous informe que cette activité est tenue par plusieurs structures. La structure mère qui porte ce projet, c'est Coup de Pouce Service. Mais nous organisons cette deuxième édition avec la direction du Stade Général Lansana Conté de Nongo, où nous tenons même, cette interview. Nous sommes aussi accompagnés dans l'activité par MAG, c'est le mouvement pour l'alternance en Guinée, et d'autres, le FNDT aussi, et d'autres structures qui sont avec nous dans ce projet. Et c'est pour vous dire un peu combien de fois les jeunes unis ensemble peuvent soutenir des initiatives, surtout pouvant rassembler d'autres jeunes vers un idéal commun. Et mon appel au gouvernement, aux autorités, c'est de soutenir cette belle initiative qui mobilise et qui rassemble pratiquement plusieurs Guinéens autour de notre souveraineté nationale. Merci beaucoup. Merci à vous.